politique en Haïti, là, faut vraiment gen bon grain de Dieu pour garder côté toi mettre pour garder côté toi mettre pio. Parce que quand rentre dans la police, nèg qui c'est qui dans la police là, commencer du simple policier arriver au chef de la police en dans police là pour qu'on parle l'empoisonner. Sous ta du besoin de changer sou... parce que monsieur pas vrai très corrompu l'entrée dans question la justice monde qui juge yo l'entrée au niveau du parquet monsieur gon Jean il fait politique qui pas gagne rien pour jouer avec le respect des principes en Haïti le respect des principes gens ça fait dans monde là qui ont pensé que population haïtienne qui aspirait à un nouvel Haïti hein? Qui t'a voulu gagner les hommes d'État de monde qui n'administration plus le cap travail tout bon vrai pour le bien du pays, qui j'en pensais qu'on arrivait à tel niveau ça, l'on a considéré qui j'en gagne des hommes qui bien ancré dans le système nan, pendant des années, monsieur, dans le secteur privé, yo. C'est eux qui mettaient monde dans l'administration publique là, monsieur qui c'est politicien traditionnel, qui c'est des médiocres, qui gagne des hommes qui élus. C'est eux qui ont dit, mais qui monde que me voulait pour ministre? Mais qui monde que me voulait pour directeur général? Alors que moun yon mette pour ministre, directeur général, ou bien simple employé, c'est pas de monde qui gagne qu'une qualification, c'est de monde qui l'a pas à cause de appartenance politique. Yo. Qui je pensais qu'on a évité un type de problème comme ça en Haïti? Bon, et de ça fait que l'important que nous parlons de révolutionnaliser la civilisation haïtienne et choisir des leaders crédibles qui pas de tâche dans la corruption, qui pas de prendre pouvoir là. Et appliquer le civisme, tourner le civisme, scoutisme, tourner avec lui, assurer pour que nous entrions avec, il faut que nous créions une organisation espionnage qui en politique, côté que normalement, pour que qu'on ait qu'on a investigué sur le branche exécutive là, branche du ça, parce que pas de balance en le pouvoir là. Tout le monde fait ça, que vous voulez, dans n'importe quelle institution, nous mettons leader, c'est lui-même qui chef, c'est lui qui a une décision pour le bas avec le sénateur là, ou bien avec le président qui met là. Cela veut dire que pas de monde qui a fait absolument rien. Et nous connaissons que l'important pour réformer le système éducatif, nous, bien sûr, l'important pour choisir des leaders qui crédibles et normalement qui comprennent et vision réformiste, qui comprennent pays n'est pas capable de vivre dans ce sens-là, et pour assurer que leader qui représente les réformistes, il faut qu'on délivre. Et bien, premièrement, projet de loi, c'est projet de loi qui dit, ça fait que demander la création plus de 1 million d'emplois. Ça suppose son projet de loi. Là, normalement, supposé par le projet de loi pour autonomie pour chaque commune, 10 millions de dollars par commune, il faut qu'il soit capable de faire. Mais si chaque commune devient autonome, Haïti commence à évoluer. C'est ça que Port-au-Prince n'a pas de contrôle encore. C'est ça fait que vous ne voulez pas voter la loi de décentralisation, hein, parce que l'on prend pas de paix, vous bloquez pas de paix. Et il faut liberté, tout côté de départ, vous bloquez, c'est que vous faites tout bien entre Port-au-Prince. Mais quand il y a l'air que le peuple a levé quand il dit voter loi décentralisation, hein, ça c'est un point important côté que normalement nous prenons censé dénationaliser le budget pays là, côté que les ça que nous parlons de l'un des problèmes qui est commercialisé entre l'inarienne, nous pas capable de l'inarienne, mes amis, c'est étranger, nous baillons, pas de la poste en Haïti, c'est le mode d'emploi qu'on a créé dans le pays là, et nous pas fait absolument rien, nous quitter le marché économique là, bloqué, en centralisant dans le pays, il faut que nous capables transformer machine nationale là et banque centrale sont cancer pour évolution marché économique là parce que les complices avec banque commerciale parce que ou pas mon avait un prêt au commercial d'un prêt ou pas le 23 24 28 30% ou mandé pour payer à 2 ans ni principal la mesure mais côté qu'on va aller leur parler de dollars un dollar américain pour 79 pour 72 70 good si mon achète un coca cola pour un dollar. Mais ma chaîne n'a pas prévenu, il va venir pour 100 gouttes. C'est que le consommateur a payé un prix là, qui est grave, mais c'est la production nationale là, exporter la production locale. Quand on prend tout pays en arabe là qui a des problèmes, tout pays qui a des problèmes d'enrée, des problèmes de l'eau, on prend Venezuela là, nous capables, nous besoin d'être en pile d'eau là, en un pays là. Mais là que nous pas industrialiser notre agriculture. Côté que le pays a bralé, parce qu'il faut un travail qui crée. Il faut que nous augmenter la force police là, réformer le branche judiciaire là. Parce que nous ne sommes pas capables de quitter le pays comme ça. Tous les 18 ministères en dans le pays là, supposés réformer. Parce que l'on prend par exemple, et on prend circulation.
Mais depuis que nous avons ta circulation, nous n'avons pas besoin de demander un président. Donc, on dit qu'il faudrait réformer la circulation, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, okay. Au-delà de la circulation qui mérite réformer, nous avons la douane. Je vais apprendre un contrat que suite Mickey, bandit légal Michel Martelly fait passer avec des hommes du secteur privé qui baillent la douane. Non, on se dit tout à l'heure que Haïti est un pays qui est essentiellement agricole, mais nous pas produit et nous seulement importer tout ça que nous avons mangé. Et c'est la douane qui première source, meilleure source de revenus pour les Haïtiens. Sud Meki, Michel Martelly passé un contrat avec un secteur avec monde dans secteur privé, businessman, bandit même j'avais pour que c'est eux même qui perçu toute l'argent impôt qu'a fait dans douane et pas gain 5 cob qui allait pour l'état haïtien. Qui type de réforme on pensait qu'a fait dans niveau ça? L'a considéré de monsieur qui très ancré dans système là qu'a fait des millions de dollars chaque mois et pour introduire monsieur ça là, m'a prend tout privilège. C'est le peuple qui parle bénéficier qu'on y a. C'est qui j'en pense au qu'a fait type de réforme ça. Alors considérer même monde qui est dans boîte là, c'est de monde qui remettait qui s'est décorrompu. Moi apprécier moi-même mes philosophies et Chavez là, vous comprenez côté que je considère comme un dictateur et par rapport que l'elle dit que monsieur quand ça passé en tout gaz pays là, si vous appartient avec peuple là si vous bénéficier puis à l'école les gens. C'est ça qui fait que vous campez que les Américains campent contre Chavez. Mais doctrine Chavez ça que lui-même, que l'idée que bien payé appartient avec peuple-là supposé bénéficier. Et normalement, que faut qu'on ait bien. Et en dans le mouvement, ça que n'a pas lié à tout, sans mentir que quelqu'un qui a vu, quelqu'un qui n'a pas vu, parce que vous pas accepté pour qu'on paye pour que peuple a souffert et puis monsieur a bien vivre. Et ou bien élite politique là avec élite économique là, ils font seul pour affamer le pays. Donc qui sont pensés, alors qui sont pensés, de manière pratique, qui sont pensés que supposé faire contre élite politique ça, avec élite par vrai dans le secteur privé, hein, qui met ensemble pour voir les depuis c'est l'argent payé lorsque le peuple là a enlisé dans la boue. Qui sont ou pensés que supposé faire, peuple haïtien supposé faire contre Mounsao pour Haïti gon chance. Peuple là qu'a pas soin, c'est seulement nous-mêmes réformistes, comme moi-même. Moi pas prendre là dans mon leader économique en Haïti parce que moi même j'ai capacité économique pas et c'est seule façon que pour que nous faire là faire promotion vision et réformer régionalement et faire peuple là comprendre que ça qu'a fait pour comprendre et puis nous même n'a choisi un leader côté que qui comprendre nécessité pour que capable bail résultat et que de bagarre que pas capable avec au niveau des autres parce que c'est je n'ai pas l'homme aux abordements n'est pas l'homme au pouvoir mais nous même nous préparer pour l'homme au pouvoir là nous avons vision nous avons stratégie comment on va fonctionner avec l'homme qui est au pouvoir là parce que c'est ça qui fait Port-au-Prince c'est ça qui fait Port-au-Prince son cancer que lui Port-au-Prince son tableau chaud lui son plateau chaud que lui ça fait c'est lui même la demande pour que le peuple envahisse le pays pour que normalement on soit que nous pas le parlement. Parlement faut que le service de la nation. Lui pas le service de la nation nous fait même. Nous disons M. Kabila. Mais qu'il n'y a pas que je ne peux pas parler avec M. sur les autres et M. Charles, parce que normalement, moi-même, je ne peux pas qui capable ça c'est que nous capable développer ça fait que l'important chaque département dans pays faut que nous développer les autres bourgeois dans pays développer okay. Bourgeois bah opportunité là que nous décentraliser pays nous voter loi collectivité territoriale là que nous banque centrale capable bah accès aux finances avec commerçants qui dans l'autre qui la Tibonite qui dans l'autre département qui a souffri les ça que nous bon pays et un problème okay. Que nous gagnons ça grave là que moi haïtien que je parle haïtien hein, que lui-même, il continue ou sorti le point que le président actuel, pour tout respect que je gagne pour lui, pour personnalité, pour ça qu'il a fait pour leadership, il pas gagné avec lui, mais il faut que nous cotisions en l'autre noir. Il faut que nous capables d'investir dans noir, pas noir. Et pas parce que côté Milat sont noyés, et depuis ça ici, nous pas qu'à seulement se porter au presse bien arrêté, il faut que dans la Tibonite, Paul est Paul dans sud Paul dans l'ouest Paul tout partout côté que nous ca investir l'agence ça yo bail opportunité avec l'autre
Haïtien qui gagne quoi dans notre commune pays là. Parce que monsieur, parce que nous haïtiens qui a investi pour créer l'autre bourgeois haïtien dans le pays. C'est ça. Mesdames, messieurs, on va suivre Jones à l'écoute, Radio Gamma International. Invité, non, c'est M. Franz Turenne, qui s'est représentant aux nouvelles organisations, aux nouvelles structures politiques, les réformistes. Je vis en Floride. Vous parlez de... En fait, une question qui est importante, besoin cerner avant. On facette alors de questions besoin cerner avant. On connaît depuis quelques semaines, haïtiens un peu partout, à parler de fonds pétro-caribé. Il y a une manifestation qui a fait un peu partout. Le 17 octobre prochain, il y a une manifestation qui est projetée. Quand tout le monde qui a parlé là, il va le bloquer le pays. Hein. Mais gon secteur politique, le secteur politique traditionnel, les bandits de ce pays, les hommes politiques pardon, qui vraiment causent malheur aux paysans dans plusieurs niveaux, voulaient accaparer aussi de mouvements, ça, la question du 17 octobre là. Qui j'en pensais à partir de manifestations qui fait déjà, le peuple a réclamé, il faut l'argent remettre, le monde qui vole l'argent, il faut qu'on m'a qui dit à eux-mêmes. Qui vont comprendre que la justice, la police, le monde qui est commissaire du gouvernement, l'État ici en général, pas qu'on gagne en arrestation qui fait, pas qu'on gagne en jugement même qui commençait, dans la question recueillie, fonds, ou bien retrouvés alors, fonds pétro-caribé, ça, camping nek volé fait belkaï, acheter belle machine, belkaï à l'étranger, de nek qui viennent devenir des richards. Est-ce que vous pensez que le peuple a adopté une mauvaise stratégie dans la question manifestée seulement, dit avec pancarte, et pendant ce temps, pas gagné fait au niveau de la justice, parce qu'en pile juge, yo corrompu, yo mangé comme pétro-caribé à tout, en pile nek qui a fait manifestation à côté, peuple là, c'est des hommes politiques traditionnels qui gagnent l'argent pétro-caribé à Naméo. Donc, est-ce que vous pensez que ces mauvaises stratégies jusqu'à présent, peuple employé, qui fait que par contre, il n'y a personne qui m'accorde dans la question fonds pétro-caribé? Bon, c'est une très bonne question. Me féliciter, m'applaudir, me complimenter, peuple là, pour continuer la mobilisation. Peuple diaspora, de pouvoir dans le même dos pour que l'accompagner avec peuple haïtien en Haïti, pour continuer mobilisation jusqu'au bout. Mais, nous ne pas de violence, nous ne pas de craser briser, parce que politique, ce n'est pas de travail, c'est secteur privé de travail. Mais pas tolérer, ça fait que dans le réformiste, sous son bandit, nous pas besoin. Si son tueur, si on craser briser, le réformiste pas besoin de type d'homme ça. Nous besoin que pour que nous construisons, nous mettons ensemble, ou qu'on fait mobilisation, et non seulement ça, il y a des gens qui besoin à l'hôpital, il faut que nous à l'hôpital. C'est ça. Le monde qui veut partir et dans le pays étranger, il faut qu'il parte. Parce que nous ne sommes pas capables de bloquer le pays à tout entier, nous ne sommes pas capables de craser, parce que le pape le mène à aucun côté. Mais seulement, il faut que la mobilisation continue à faire. Malheureusement, pas rien en termes d'arrestation qui fait. Parce que les trois pouvoirs eux-mêmes ont compromis en la corruption. Hein. C'est seulement que nous demandons pour que le travail continue à faire, pour que nous exposer les leaders. Et pour qu'on l'autre parti politique qui prend pouvoir, et nous bêjons, parce que nous avons dit, bon, ok, le département de justice, la branche judiciaire a supposé camper, dit, monsieur, ok, pour premièrement, fort, le parlementaire a fait interpellation avec un qui corrompu, l'on prend la mode, ancien premier ministre, la mode, qui gagne 16 millions de dollars US, même, pour faire marcher dans le bisoton, l'on regarde, c'est 40 qui a passé la donnée, comme ça a décaissé, et bien, par exemple, il y a un qui dit, et $50 là, et non seulement tout l'argent qu'a gaspillé dans notre pays d'État, le peuple a gagné raison pour continuer à camper, mais ça que nous avons besoin. Pour que ça nous besoin de faire la boule faite, il faut que nous un tribunal, il faut que nous créions, nous demandons l'ONU avec tout pays qui a affilié pour créer un tribunal d'investigation internationale pour être capable d'arrêter l'homme. Ça. Nous-mêmes réformistes, et là, pour que nous-mêmes nous écrit l'ONU, pour nous écrit le chef d'État, yo, pour que nous demandions, pour qu'un tribunal international, pour faire, c'est seulement ça, nous sommes capables d'arrêter que le président, que le ancien ministre, que le monde qui est mangé dans le pays, ya, parce que pas bien rien qu'a fait, c'est manifestation qu'a fait, c'est vrai, mais c'est lorsque peut-être diaspora a demandé pour gagner une institution internationale qui est capable d'investiguer et faire arrestation
Même gens que les Américains besoin à la salarié ton droit dit les fait et malheureusement ils ferment les yeux sur le dossier. Vous comprenez? C'est que nous besoin d'un tribunal international pour qu'on puisse arrêter monsieur qui a fait crime fiscal en deux pays. OK, monsieur Franz Turenne. Aux États-Unis côté où vous avez vu aux États-Unis pendant des années. Les gagnés suspicion par exemple IRS t'a gagné suspicion sur un citoyen quelconque qui vit aux États-Unis, citoyen ça pas ta payer impôt, pas ta payer taxe. Ou bien son citoyen qui engagé dans des actions illégales. Depuis qu'il y a suspicion seulement, IRS est envoyé officiel, il va vrai débarquer la carte pour poser une question. Il va t'a fouiller sur toute canne bancou. Hein? Bon, gros pression pour aller, pas vrai, en dessous de sa capacité jusqu'à ce que je ne l'ai et grand plus de chance pour aller en prison. En Haïti, Bouikouri Guinègue, pas vrai, qui a touché $50,000 américains chaque mois dans l'aéroport, comme quand on l'empêche. Gen Bouikouri Guinègue qui fait belle caille avec l'agent Petro-Caribé, qui a acheté la belle caille à l'étranger, qui bâtit belle caille en Haïti, des qui bâtit gros business dans le pays, des qui bâtit l'agent du tout, qui viennent devenir des riches. Bon, m'attendez tout récemment là. Il y a ce monsieur-là qui était sénateur de Jacques Mel. Edo Zeni. Je parle d'un parlementaire qui commandait une machine blindée qui coûtait $150,000 américains. Ou à aux États-Unis, c'est vrai, son businessman. Mais, pas gagné un haïtien captain de m'la. Il a besoin d'acheter une machine pour aller dans la maison. Et puis, il dit, il a acheté une machine. Et puis, il a les $150,000 cash sous canet bancaire pour acheter une machine. Impossible. C'est crédit ou apprend, et puis chaque mois, on va bailler, ma rené, compagnie machine, non, comme jusqu'à ce qu'on finisse payer, ou pas, vous comprenez. Là, on est gralé cash $150,000 américains. En Haïti, on a dit, un pays pauvre, un pays côté que monsieur ça, qui c'est parlement, bien, ces hommes-là, qui n'est pas que nous voyons au niveau du parlement, c'est des nègres qui sortent en province, des nègres paysans, t'as comme, des nègres maman, yo, pas triche, en plus, nègres maman, papa, c'est la terre qu'on a bourré, et pi gros bien maman yo fait dans vie c'est parce que maman yo investi dans l'éducation yo voyou l'école gen qui vinn pas vrai vinn avocat qui vinn docteur donc monsieur ça j'en habitué avec en Haïti dans la classe moyenne j'en connais Mac Bazinier j'en connais pour on est en cours Hubert de Ronsré c'est des nèg qui gen petit caillou là bien belle bien modeste yo gen petit yo voyou dans bonne école vous comprenez et puis y a vivre dans société sans problème yo gen bonne yo ka manger trois fois par jour sans problème mais l'eau aller sous canet bank monsieur ça soit les soukanebok magbazin qui parle encore, ou pas besoin d'un pile l'argent pour jouer $150,000 américains, $500,000 ou bien 1 million. C'est impossible. Alors que ces hommes-là, c'était des hommes compétents, à l'école, qui très formés, qui passaient des années qui travaillent dans la fonction publique. En Haïti, un pile nèg gabdou là qui prend l'argent, c'est des nèg qui pas travaillent vrai dans la fonction publique là. C'est des nèg qui n'ont pas qu'un génie, qui n'ont pas qu'une compétence. Et puis, ils sont des richards. Donc, comment vous expliquez que gagne la police en Haïti, un chef de police qui l'a, que le peuple a payé chaque mois, bah, privilège, après les monsieur le DG, ou pas comprendre, les réunions à gauche-droite, nous gagnons qui c'est commissaire du gouvernement. D'ailleurs, aux États-Unis, là, on a goûté policier, lui, oui, c'est comme si on son chien de garde, ou une machine police dans la rue là. Ouais, je policier à gauche, droite, la chèche côté volée, côté de Goumagaï qui passe mal là pour le mettre mes notes. Comment se fait-il, nous avons un chef de police en Haïti, nous avons un commissaire du gouvernement, nous avons un président de la République qui est chef de l'État, nous avons des juges qui l'a pas vrai pour administrer la justice, alors que nous avons des hommes là pas vrai qui plein l'argent dans mes yeux, ou pas qu'à vraiment expliquer contre l'agent ça, c'est pas qu'une enquête qu'a fait sur personne, pas qu'une personne qui a jamais arrêté dans la question vol, dans la question corruption, monsieur qui a une cravature. Comment expliquer ça, mon cher? Bon, et c'est grave, et c'est ça fait que... Et en plus, excusez-moi, en plus de l'autre élément qui est important, grand pile monsieur là, qui est au niveau du Parlement, qui a une machine, bon. Mais que qui est une machine officielle, en pile bon, police, et... excusez-moi, en pile nèg qui n'a police en Haïti, puisque il n'a pas vraiment entraîné, enfin, fait formation, nèg yo, au niveau légal, pour comprendre qui sa immunité parlementaire veut dire, il y a maintenant l'esprit policier ou bien le chef en Haïti, depuis on est parlementaire, il y a les machines officielles,
même si vous avez une suspicion, vous avez mal qu'à passer dans la machine, vous avez dit l'eau qu'à fait, ou pas arrêter parlementaire. Donc, il y a des gens qui profitent de ça. Puis vous faites deal drogue avec machine officielle, comme parlementaire là, qui viennent devenir des riches, mais ce sont des gangs, des gangsters. Qui sont pensés que supposé faire dans le niveau ça? Bon, et comme nous parlons déjà, ça fait que nous demandons de réformer la grande civilisation haïtienne totalement. Et parce que on va demander pour arrêter, et il y en a parce que tout impliqué en dans le dossier corruption, parce que chef policier que lui-même, il y a des gens qui ont payé pour Kaili, dans Port-au-Prince. Et tout, et l'on te gagne l'embête ou l'on te mette du chez dehors. Ou pas qui s'en a fait, ou pas qui s'en a réglé pour l'argent et a touché. Budget parlementaire a été plus que budget collectivité territoriale. Et pas gagne qu'on a demandé que ou besoin ou l'autre groupe d'hommes qui gagne qui gagne sens de responsable, qui gagne courage, qui gagne un sens de bravoure, qui comprenne bien que comment nous va faire l'évolution. Que nous pas détruit état d'un pays à tuer un paquet de monde, mais l'important problème ça pas qu'à continuer dans pays à avec monsieur ça. Bon, soit sûr que monsieur n'est pas intéressé pour créer pour gagner l'autre point que de ces pays de c'est ballon qu'à vieux le parlementaire apprenu la gueule là dans l'autre institution pas grand absolument qui fait parce que il y a tout compliqué là dessus. C'est seulement peuple haïtien et nous-mêmes, élite intellectuelle pays, hommes qui s'entachent, qui remet Haïti pour que nous fassions soulèvement social, économique et politique, pour que nous choisissions des hommes crédibles. Et ça fait que nous avons besoin d'une institution qui est très qui prend l'importance dans le pays, c'est la création d'une organisation d'espionnage. Et en dans la police, avant que nous ayons des polices détectives et pour qu'à réduire taux insécurité dans le pays. Vous comprenez? Parce que si toutefois que l'on prend que vous gagnez dans la banque, vous avez dans la banque, vous avez comme il y a arrêté, il y a tué et politicien, vous avez une bande, il y a dit non, mais c'est pas qu'à faire comme ça. C'est que normalement, il faut que vous ayez détectif et policier qui sont censés que vous avez investigué et qui a arrêté le monde fiscal. Arrêté parlementaire tout, des nègres qui proposent de gagner immunité, mais c'est des voleurs, c'est des dealers de drogue. Non, pas de. Ou pas. Je crois que nous avons accepté qu'on a fait crime et pour demander immunité. Pas de ça. C'est que normalement, que tout ça a fait comme j'aime dire là, c'est le leader, quand nous qui mettons ensemble, qui fait en faisceau, pour faire grande force. C'est ça fait que nous demandons comme monsieur et Willy Charles comme vice-président pour que nous groupions le peuple diaspora, et côté en Chili, en France, Canada, et tout partout, pour nous grouper dans cellule, et puis pour que normalement, nous allons transformer la grande République d'Haïti. Parce que ça n'a pas fait, parce qu'on n'a pas réformé le système éducatif. Imaginez bien que $1.50 cap d'aille et qui a des millions de dollars par mois, et jeune Timoun qui 4% de monde qui parle l'école, pol, et police officier pas touché, professeur pas touché, pas d'innovation dans l'école là, et vous regardez que sont entrés dans l'institution, même l'État, pas de côté pour la toilette, facra dans la rue. Vous comprenez que mes amis, il est le temps, peuple diaspora, les vitampi. Moi-même, c'est la fait que je me dis, moi-même, je bien vivre. On a déjà dit, je là. Mais, je me sens que malheureux, les moins nations, les moins pays, je vivre comme ça. Et nous, pas qu'à peuple diaspora, nous, pas qu'à vivre comme des cabrites en dans forêt. Faut que nous groupions, nous, nos seuls solides. Là, on a eu ce gros problème que le temps Chili, faut que nous ayons des avocats haïtiens. Un cabinet qui a supporté Haïti, qui a ce domaine, qui au Chili, qui Venezuela, parce que ni important qu'on groupe nous. C'est ça qui fait que je dis à aux jeunes, peuple juif là lui-même, les grandes forces en de marché économique des États-Unis, qu'il était en France, parce que ont groupé, ils travaillent ensemble. Il faut qu'on élimine le moi, parce que le moi est le cancer pour évolution au groupe collectif. Parce que là que c'est le moi, c'est moi-même, c'est vous-même, c'est famille, moi, eh bien le pays a détruit le moi. Nous, pas qu'à quitter Haïti à vivre ça, faut que nous détruisons le moi pour que nous chassions la corruption, tourner avec le civisme, tourner avec le scoutisme, pour que nous commencions à apprendre de la reprogrammer l'état de Haïti. Ok, le 17 octobre prochain, 17 octobre, Cap Vinila, gagner des manifestations qui projetaient, manifestations. Entre guillemets relative à réclamation
l'agent fonds Petro-Caribé qui disparaît. Condamnation ou bien responsabilisation de monde qui sont censés impliquer dans détourner l'agent ça. Gagner des hommes de la classe politique traditionnelle qui dit que c'est vrai l'important pour nous réclamer l'agent Petro-Caribé qui disparaît. Gampil là, qui volait l'agent tout. Mais il dit gouvernement, qui, enfin administration qu'il a, l'administration de M. Jovenel Moïse, incompétente. Il estime que Fox c'est table rase qu'il fait. Il y a les hommes comme des Racimons du Seul, les Moïse Jean-Charles et tant d'autres, pas vrai, au niveau du Parlement, tout, des réactionnaires qui t'avaient que ces pouvoirs, même pour M. Jovenel Baye, pour y prendre place là. Les hommes qui étaient au pouvoir, même si M. Jovenel Moïse, à mon humble avis, le m'a considéré au niveau de la santé, je veux dire là. Non, pas qu'un système de santé qui a fonctionné. Si on a ici un gros maladie, je dis là, à minuit, il n'y a pas un numéro de téléphone que le cas composé pour le dire qu'on ambulance qui vient chercher. Vous comprenez? Donc, c'est un rêve seulement ça qui arrive. Donc, si on a un parlementaire qui a un problème minuit, donc monsieur a un hélicoptère privé, ou pas comprendre, du cas Saint-Domingue, du cas Cuba, du cas Miami, il y a un problème. Mais le monde qui vit dans la population haïtienne, qui n'a pas un gros agent, qui n'a pas volé dans l'État, donc, c'est un bagage qui est impossible. Dans le niveau sécurité, gagner des zones en Haïti aujourd'hui, surtout dans la capitale, même la police n'a pas qu'à pénétrer là. Donc vous imaginez le désarroi, le calvaire de monde qui a vécu dans la zone Zayo, avec des bandits qui armés, qui ont violé monde, qui ont battu monde, qui fait ça, vous voulez. Au niveau politique, le pays bah, vrai, n'est pas gouverné. Gagner plusieurs partis politiques, qui ont fait ça, vous voulez. Il a bloqué la rue Jean-Idéo Dio, ou pas senti que le président les gagnait en présence côté que gon chef de l'État qui est vraiment conscient du rôle. Si on a considéré au niveau aussi international, en question de diplomatie, la République dominicaine, gon Jean les traités, les Haïtiens, c'est comme des bêtes. Qui j'en pensais jusqu'à présent, nos 14 octobre 2018, quelques mois après l'implantation de, après l'arrivée alors de l'administration de Jovenel Moïse au pouvoir, les gagnants ont un nouveau ministre aujourd'hui, la personne de M. Seyan, qui ont apprécié la gouvernance de M. Jovenel Moïse au pouvoir aujourd'hui après quelques mois, et aussi l'arrivée de M. Seyan à la tête de la primature. Bon, à cette question de métier gouvernement, gouvernement, c'est pas solution, hein. Et Moïse Jean-Charles, et l'autre leader, ils sont des incompétents parce qu'ils même sont des leaders traditionnels. Et ils étaient dans le pouvoir, ils n'ont pas fait absolument rien pendant 40-50 ans. Oui, je suis incompétent, et normalement que moi-même, respecter l'ordre constitutionnel, et l'institution démocratique, je suppose respecter, que le président se pose fait attendre. Mais nous besoin l'autre Haïti, nous besoin réformer la grande civilisation haïtienne, nous besoin grouper le peuple diaspora dans une seule cellule. Parce que le peuple diaspora, tous les mêmes, que le responsable de tout, et dans ce sens-là, malgré tout, ils ont supporté le peuple haïtien à 200-300% sur le plan économique. Et normalement, l'image nationale, nous, son image désastreuse, côté que pas le tourisme encore dans le pays, l'on prend poubelle dans tout le pays, et Dominique a fait évoluer. Et le président Dominique dit qu'il n'y a pas de l'État en Haïti. Et ce qui veut dire que, bon, il y a des raisons, parce que vous trouvez bien qu'on a chanté, pas gagné, évolution, cap fait. Mais par exemple, quand vous parlez d'un bail qui est important, la santé. Mais quand on parle, et ça fait que, quand on parle, ça me comprend bien, et vous mettez ministre au niveau de santé, directeur général, et puis normalement, poubelle, fatra dans la rue, vous parlez de santé. Vous parlez de santé, côté marché, toutes les collions, pas gagné la prime, non, mes amis. Sou descend n'importe là là ou aller là yeah. Et porte là dans le commissariat sans moi c'est couru yeah. C'est que c'est l'état c'est rage d'homme parce que même ça et bon t'as qui dit depuis à partir de ce temps et c'est vous et tout monde commence à programmer mais si nous fait toi pour belle là lui il est misère là il est adapté à misère là c'est que l'elle passe le côté ça pas étonné. Ou quand vous avez un petit monde qui s'y fait, dis-moi, papi, quand est-ce que ça. Mais si vous avez même quand Haïti qui est là, nous avons obligé à citer. Cela veut dire que le problème du pays est tellement approfondi, ou pas de leadership dans n'importe quelle institution, l'un parle d'un niveau environnement, pas de fin, travaux publics, pas de fin,
santé, système justice là, pas gagné, et, mais tout système PIA, système éducatif PIA, pas gagné. Par exemple, que, ça fait que nous parlons, l'on prend jeune, même qu'on a quitté PIA en masse, l'on prend que difficile son problème, parce qu'il faut que nous demandions pour nous réformer, pour que nous prions, nous demandions pour que nous demandions nos recommandations, nous demandions pour renégocier le contrat avec Digicel, avec Natcom, parce que nous pas qu'à l'âge de contemporain pour n'avoir acheté munis. Donc, mes amis, pour prendre 10 dollars, pour aller en Haïti à bon 24-34 minutes, et avoir 10 dollars, ça va pas le Canada, la France, ou à bouquer, ou à fermer, ou à même brûler, des jours, ou à capable brûler dans 10 dollars. Mes amis, nous pas qu'à accepter ça. Digicel, tout lui-même, comme Kabayo, Digicel, qu'on contrat lui-même, là, il y a des millions de dollars. Côté comme Digicel, côté comme Natcom, mes amis. Vous comprenez? C'est que nous prenons que privé et l'étude d'Haïti. Ça, c'est comme qu'elle l'approche, monsieur. Ça, c'est pas qu'elle l'approche, monsieur. Ces hommes-là de la classe politique, vous comprenez? Ils ont chaque guetti, chaque paillot. C'est ça. Et nous demandons que vous privatisez l'étude d'Haïti parce que nous ne pas qu'à prendre un verbe, qu'à bailler gouvernement, qu'à bailler l'électricité avec gouvernement. Imaginez bien, vous avez des EDH, quand c'est un verbe qu'à bailler charge gouvernement capital l'argent. Et où il y a 145 communes dans le pays, peut-être 18 ou 27 communes qui gagnent courant, pas 100%. Mais ça fait que l'important, faut qu'une carte. Et moi, t'attendais, monsieur Vobza, monsieur dit comme ça que Haïti pas besoin de courant 24/24. Ouais, monsieur dit, peuple pas besoin de courant. D'ailleurs, peuple n'a pas qu'à payer courant 24/24. Monsieur gagne plusieurs millions de dollars à partir de contrat l'État Gavel, Préval Favel, parce que les Préval, papa, vous ne comprenez pas. Et n'est-ce pas, monsieur dit, Haïti pas besoin de courant 24/24 parce que le peuple n'a pas payé. Les hommes de son leader traditionnel, t'en es en parler. Mais les États-Unis, et pas le peuple n'a pas payé. C'est qui ça que nous fait pour nous créer un mode d'emploi pour faire la carte travail pour que nous payer. Mais ça parle de c'est pour cette raison que autant d'équipes. Équipe. Et ça fait que moi je dis que bourgeois haïtiens, hein, me considère son bon aborigène. Et parce que ce pont élite qui comme qu'à comprendre les parler de pour décentraliser révolutionner le marché économique là ou pas qu'à gagner à carbone machine flambé les autres entreprises pour ne pas investir la Tibonite pour ne pas investir Jacmel pour ne pas investir Inch pour ne pas investir dans le nord-ouest dans le nord dans le sud parce que soit dit comme ça et sécurité mais c'est pas de presque insécurité c'est que même bourgeois ça fait que l'important faut qu'on crée un partenariat entre l'État et le secteur bourgeois. Parce qu'il n'y a pas de partenariat solide par rapport au côté que oui, ben, pour bourgeois qu'on est, ni pour l'État qu'on est, que comment oui, t'as aidé oui, secteur privé. Oui, pendant qu'on parle, il faut qu'il y ait un partnership qui est créé entre l'État et le secteur privé. Parce que le partnership là existait longtemps déjà. Parce que c'est l'État avec le secteur privé qui a brassé là, sous deux peuples là. Sous deux types là. C'est pas partenariat qui va parler de partenariat. Partenaire que nous voulons, c'est que ok, à carbone matière flambée. Nous parlons que Egoban est terre qui vide. Nous parlons que il faut que partenariat que nous dit bien ok, Gordonio, nous parlons pas son loi. À partir de 6 mois terre ou pas travail, l'État commence à taxer sous papier au capet dit ça. Kounia nous fait appel avec Gordonio. Pour que nous chita Gordon qui sort déjà, dit Gordon ok bon, mais loi qui passait. Et normalement nous gagnons assistance financière pour nous chercher quoi, nous dit bon ok, combien ou bon le de qui ne pas travailler au GAN, qui ne pas travailler à la Tibonite, nous ne pas accepter que l'on comme ça. Ok, qu'on est là, politique agricole là, nous dit combien qu'on a besoin, M. John. Moi, j'ai besoin de 50 millions de dollars ou de barrettes, ok. Nous créons un plan, nous dit combien notre d'emploi va le créer. C'est que politique, la force, politique agricole, suppose marcher avec, évoluer, développer la production nationale là, et créer un mode d'emploi dans le pays. Et laissez que nous charger, nous taxer ces 10% en bas où, on a pris toi 10% pour l'État qui a fait comme. Et par exemple, on prend Akabot Massène Flambé, nous dit Akabot Massène Flambé, ça passe. Nous invitons tout. C'est que, grand entreprise, pour qui ça qu'on peut investir dans notre commune. Puis nous, on t'a donné un choix. Mais si on dit qu'on sait que c'est l'argent de Moulin, on dit que, excusez-nous, il y a l'argent pour vous, et pour aller investir dans Poto Kobla avec un terrain, pour aller investir en Jacmel. Parce que si Jacmel au côté nice, côté d'une, de côté de Pagé, il n'y a pas de problème. Nous parlons de si qu'on a le besoin qu'on est pour ça. Mais qu'on est là, si il y a même secteur ça a parlé investir, mais à quoi je me formise, eh bien nous-mêmes nous créer supermarket dans chaque communion. Nous-mêmes, nous pas tant de blanc pour faire pour nous, nous créer un Home Depot.
Non, comme nous créer un rôle map, parce que l'État a des capacités, ni déjà qu'on est que qu'à produire à l'extérieur, venir créer un mode d'emploi, créer activité économique, créer un mode dans le pays. Pourquoi est-ce que quand on n'a pas le bagou vrai mode dans le pays là? Est-ce que nous avons des 140 morts dans le pays? Excusez-moi. On a créé une machine dans notre commune dans le pays. En sérieux. Moi c'est moi qui dit pigo critique la presse haïtienne gagne. Son monde qui toujours a pointé à l'index les faiblesses de notre presse parce que je pense que changement Haïti que nous besoin. Eh ben c'est à travers la presse que le passé. Parce qu'il y a un pile démagogie qui a fait dans la politique en Haïti, il y a un pile question de corruption qui a fait, monsieur qui a fait corruption, monsieur qui a fait démagogie, monsieur qui est médiocre dans la politique là, c'est la presse qui va au micro pour parler, et c'est la presse là aussi qui mettait devant la population pour le peuple la connaître, présenter comme parlementaire, même si c'est légal, mais vous êtes des parlementaires, mais en termes de ça y a bail comme résultat, si la presse, on pensait qu'il est là pour apprécier mon ça et des populations faire un meilleur choix. Donc moi, c'est que presse, ça, c'est une cause problème pays d'Haïti. N'a pas invité auditeur Gamma International, il est capable de si vous avez une question que vous voulez poser à inviter Jodian, qui c'est M. France, qui avait non, là, M. France Turenne, que l'on peut recevoir, qui a parlé de questions qui sont très importantes. Radio Gamma International, téléphone c'est 973 433 55 88 862 229 26 07. En Haïti, je dis, il y a un pile côté, surtout dans les quartiers défavorisés, côté gagné moins de monde qui connaît lire, moins de monde qui a l'école, ou a besoin de pile d'âme. Moi, l'homme d'en Haïti jusqu'à aujourd'hui, hein, si moi, c'est le lit dans ceinture en policier. Je ne sais pas si je suis un jeune garçon, un jeune garçon, un monde qui est civil, et puis le côté que je vais expérimenter, ça n'a pas jamais arrivé dans la vie, et je ne sais pas si je vais vivre aussi. Donc, ce sont des expériences que je vais faire. Mais, jeune haïtien qui a grandi, je dis, les âmes sont des choses qui nous amènent chaque jour. Question de drogue, des choses marijuana, des choses sur la télévision, moi, dans le film. Mais, jeune haïtien, je dis, il expérimenter ces choses au jour le jour, surtout dans les quartiers défavorisés. Et en pile dans les hommes, ça y est, c'est des hommes du secteur privé, des hommes de la classe politique qui distribuent juste pour maintenir un climat d'insécurité, côté qui a toujours gagné la même mise sous bien pays. Qui sont pensés qu'on fait pour, dans le secteur, dans le quartier défavorisé, côté gagné des bandits qui plein d'hommes, qui empêchent la population vivre, qui sont pensés que supposé fait pour les hommes, ça y est, au moins, ils t'ont sorti dans un zéro. Oui, allô? Allô? Yes, allô. Oui, nous parlons d'un pile de zone en Haïti, je veux dire, qui plein les âmes là-dedans. Qui je pensais que je supposais faire à travers la police? Bon, même la police, ça, pour qu'on parle, qu'on est responsable aussi d'en distribuer les âmes, pour une question kidnapping, voler. Qui je pensais que je supposais faire dans le niveau ça pour établir sécurité en Haïti? Bon, nous parlons en termes de sécurité. Premièrement, nous avons trois approches. Approche numéro un, nous prenons. Dans les productions, 5 ans. Deuxième an, 10 ans. Troisième an, ils vont piquer ou mourir. Parce que, en la société, on n'est pas capable de quitter le pays à lever comme ça, on n'est pas capable de tirer sur notre bord. Et kounia, ça fait que l'important, il faut qu'on gagne et police détective, ou gagne et cap investiguer sur la police, et sur l'institution du pays. Parce que normalement, que M. Badi, il recevra comme dans les politiciens, dans le même gouvernement, quand il a porté l'argent, pour capable de l'élection, pour craser l'élection. Parce que bandit encore pas gain travail dans le pays, il faut que les capable travail, faut qu'on capable formation pour l'école. Moi d'accord faut appliquer la philosophie christophienne. Un jeune garçon va pas marcher dans la rue comme mato pas foin, sou pas travail pour l'état qui sera fait, c'est que normalement faut que nous ba l'option. Mais là que jeune dans lever, il gain petit, il gain madame, il pas faire absolument rien. Et bien que mais ça cerveau ça car corrompu à n'importe homme qui gain l'argent même pour faire crime. Premièrement, problème de ce bidonville là, faut que ces affaires que le État qui a augmenté l'économie haïtienne, qui a 10 millions de dollars, monté à 100 milliards de dollars, n'a appartement seulement pour combattre bidonville, parce que nous n'avons pas d'appartement en termes de real estate, pas grand qui fait. Il est important que, pour que nous assurions que nous sommes capables de faire appartement dans bidonville, pour créer travail, construction de travail et pour jeunes, non? Et nous parler canalisation, drainage, en de Port-au-Prince, en de pays, côté jeunes, pour le travail.
créer manufacture énorme ça fait même parler secteur privé là secteur privé va l'engager pour l'État aider secteur privé à créer plus mode d'emploi créer plus d'entreprises dans commune et ba incentive pour que jeunes yo capable de posséder pour travailler en entreprise mais l'État d'aujourd'hui secteur privé qu'aujourd'hui là l'écrante ne va pas absolument c'est comme qu'a fait et jeunes pays à talent pays à depuis par rapport que avec élite politique yo qui a affamé cap de tuy pays a parce que yo pas pour yeah. Jeunesse là jeunesse là le monde de la ville donc on est il pas de l'espoir yeah. Et gen la dedans qui sont secteur de corruption donc on est depuis indépendance pays a depuis établissement nation ça nation haïtienne non donc pile ennemi et parmi ennemi que nous avons, c'est l'international à travers des ambassades moi t'ai parlé de ça dimanche dernier des ambassades qui établies en Haïti, particulièrement l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France et l'ambassade du Canada. Vous ne savez présent exhiber tête comme monde qui remet Haïti. Ils ont mis Haïti des fois au fond si commissariat de police pour nous, un petit centre de santé qui gagne trois chambres, quelques petits matériels libanais et puis il a exploité ça que nous gagnons comme mine d'or. Ils ont mal en main nous, il a pris tout ça que nous gagnons. Ils ont commandé nos hommes politiques. C'est vrai, au grand pile bagarre, on dit, il était bon au niveau de réformiste, on a envisagé pour nous faire, pour aider à changer le pays. Mais il y en a plus gros défi que homme politique fait face à elle, et la presse n'en parle pas, parce que la presse là tout le dit, entre dans un grenage, c'est l'ennemi international qui retrouve ce territoire-là à travers les ambassades. Grand pile nègre qui c'est chef en Haïti, chef police, président, ministre, leur arrivé dans poste là, c'est vrai qu'il arrivé gon état d'âme côté ou l'échanger les choses. Et puis il gagné coup de téléphone il a recevoir de monde qui c'est ennemi locaux, monde qui c'est haïtien, monde qui c'est des dealers, qui c'est des corrompus ou bien monde qui c'est ennemi qui dans ambassade de l'étranger. Cap relé monde sur le téléphone me dit bon mais ça nous le fait là, monde qui chef c'est pas peuple là, c'est nous chef. Si vous ne faites pas ça, nous avons un côté madame qui habite, famille qui habite, petite école aux États-Unis, dans qui l'école lui. Donc, gagner des pressions des fois, vous faites l'abtendre. Par exemple, un ancien ministre, mon ancien professeur et un ex Jean-Charles, qui était fait droit administratif pour moi. Je dis que l'ancien ministre, l'on parle d'un job là, en pile bagaille, mais l'on ouvre au niveau de la primature. Coup de téléphone que la recevoir de monde qui a fait le menace. Pour ne pas faire ceci, pour le faire cela, s'il ne pas fait ceci, mais ça qu'a privé, il dit pays a plein de problèmes. Tellement de problèmes, lui-même, des fois, pas qu'à dormir. Donc, qui sont imaginés d'autres hommes en provenance de la diaspora, qui ont un état d'âme, faut pays a changé, qui comportaient comme des révolutionnaires, bah, on va continuer comme ça, nous prêts pour mourir. Et puis, il y a pour recevoir des types d'appels de l'international, ambassade américaine, ambassade de France, en pile bandit, dans la question agent secret CIA, qui en Haïti, dans la question aussi, monde qui dans organisation qui dans la question drogue, je vais oublier non organisation ça, qui établit en Haïti, qui aussi en Amérique latine, dans la, qui plaint en pile nègre, qui soi-disant cap bataille contre la drogue, mais ce sont des bandits qui mettent pour mettre insécurité dans le pays. Non. Qui je pense que, au niveau de réformistes, n'a besoin de type d'hommes qui c'est de vrais nationalistes, qui de monde, qui de Akabi, Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, Capol, enfin, pas Capol la mort, mais Charles Peralta, qui est prêt pour mourir pour Béyan, qui est prêt pour défendre Béyan, les recevoir des menaces, ils n'ont pas accepté, fait comme nos hommes politiques traditionnels, vendre Béyan, distribuer les hommes dans le quartier populaire pour que le pays ne pas jamais avancer à la grande côté. Bon, mais comment, mais approche-nous. Et nous connaissons qui ça que notre vie. Surtout moi-même, moi connais qui ça que notre vie. Moi connais que grand pile leader qui a volonté, mais le système n'est encore continu. Et l'homme aux abords n'est pas l'homme au pouvoir. C'est ça fait que vous parlez que nous avons une stratégie que nous connaissons que. Et Haïti gagne plusieurs fois. Bon, moi, stratégie d'abord par rapport à l'international, qui c'est ennemi pays, avec ennemi national, qui c'est en pile nègre dans la politique. Nous avons Haïti gagne. Il y a un peu de monde qui ne peut pas comprendre, nous-mêmes nous comprenons. Haïti a deux. Haïti a une guerre. La guerre froide, qui a deux phases là-dedans. La guerre externe et la guerre interne, nous parlons de corruption, problème d'inflation, gang ou la misère, nous parlons que, ou touche le dossier que guerre externe,
Et la guerre froide qui est externe, qui vient de deux phases à donner, que l'homme, ça y est, ça fait que nous-mêmes nous disons, devenir le léopard dans l'Amérique centrale. Devenir le léopard dans l'Amérique centrale. C'est que nous comptons ça que nous disons, hein, parce qu'on n'a pas qu'à sourire, ou pas qu'à chat pour fonctionner dans le monde. Il faut son léopard, il faut qu'on développe esprit léopard, esprit tigre, esprit lion, hein, esprit waf là, c'est que faut que ou gagne un symbole qui marche avec vous. Parce que si c'est pas ça que oui ça qu'on dit hein, côté que normalement ça fait que demander faut qu'on organisation espionnage. Tout coup de fil qu'on fait qu'à partir d'un pays faut institution ça que lui-même il protéger pour capable recueillir information chaque jour sur toute boîte institution dans pays là, nous demander réformer la défense. Défense pays là parce que l'on prend que ministère de la défense pas besoin d'ingénieur, pas bon vrai région. L'on prend que l'on prend commissaire yo pa gen raison si on moun font zak léogane yo ka prend n'importe quoi c'est pas gen raison pour toute cellule là que ka connaît que met tel moun qui fait tel artiste l'autre bord c'est que nous qui travaille faut que nous capable informatiser système pays là côté que qui pas jamais fait c'est ça fait qu'on n'a pas que minute jusqu'à 7 heures c'est que normalement nous pas investir dans le pays yeah. Et politiciens haïtiens par contre ça de l'investissement 101. Parce qu'il faut qu'on investisse pour gagner. Mais là, qu'on n'a pas l'esprit industrialisme pour qu'on ait que faut qu'on investisse, il faut qu'on développe l'industrie dans le pays. Et ce secteur externe lui-même, il n'est pas pardonnable. Il n'est pas bon grâce. Il n'est pas bon pitié. Parce que lui-même, que lui bénéficie dans la destruction de leur petit pays. Mais il faut que le peuple haïtien vienne travailler aux États-Unis. Forcément, Saint-Domingue lui-même, Saint-Domingue tout lui-même, lui, fait partie de force externe à tout, parce que lui-même, l'aide crasée. Exactement. Marché local, là. Ah oui. Parce que dans lui-même. Il y a un agent secret, il y a un agent secret même en Haïti, qui a travaillé pour lui, là, pour déstabiliser le pays. La question à savoir, est-ce que nous avons force espionnage nationale qui a investigué sur le chef interne, là, qu'il y a un coup de fil qui fait. Là que il y a un email qui fait, là que il y a différentes façons que yo ka censé que entrer en un pays là, envahir pays là, détruire son pays là, là où vous pays côté que ou pas même gè contrôle moun ka rentrer dans pays là. Mais qui sont vraiment de là pour changer nation pour développer pays là parce que n'importe moun ka rentrer en Haïti là, n'importe comme il fait ça, c'est ça étranger en fait. Pas de moun, laissez nous même. Au monde qui entre, vient mettre ce nom, il y a déjà un agent secret, il y a son voisin, qui est bon côté lui, côté que la travaille pour le gouvernement, pour capable de faire un dossier, qui ça moun ça fait, même tout le monde qui est capable d'aller côté avec surtout étranger, et bien, moun ça c'est agent gouvernemental. Mais nous n'avons pas de système, nous n'avons pas de structure. C'est ça que faut que nous travaillons pour nous créer un système, une structure, et pour nous assurer que nous connaissons que guerre froide externe, qui ça que le fait, c'est ça que fait Jodjog et pays ça là. Ça fait système éducatif, voisin, bon, médiocre, côté que normalement, si on va à l'école, et le professeur a fait 6 mois par tous, par enseigner, cela veut dire qu'au groupe, bombardement problème, c'est à faire un bombardement social et économique parce que normalement nous pas développer un système. C'est ça qui fait que nous réformistes, nous voulons que normalement que pour que nous assurer que le pays a lui-même capable de s'en comment pour le développer, faut que normalement on gagne des institutions qui placent pour assurer que protéger territorial pays, l'armée pays, global pays, l'inaréunion. C'est que nous pas protéger, nous avons la mer qui pure, nous avons la mer qui pas même pêcher, même mes amis. Nous avons des poissons côté que normalement sont les bonnes aborigènes qui habitent dans le pays, des indigènes qui habitent dans le pays. C'est que nous parlons des hommes qui ont des cerveaux, parce que le cerveau, c'est le corrompu, c'est l'argent qui a fait. Ou bien, nous donnons encore, ou bien, politiciens, élites politiques, sont bonnes étrangers, sont bonnes faux leaders. Qui en d'un pays a cap détruit la nation tout entière, c'est que nous besoin l'autre l'État, nous besoin l'autre haïtien, ça fait que l'important, faut que nous reprogrammer la civilisation haïtienne pour que jeunes ne soient dans ma maternelle, faut que nous commencions. L'autre petit monde, si tu as un bon l'école, là, garde des yeux bloqués, mes amis, pas de l'eau potable, pas de latrine, pas de air conditionné, pas même de ventilateur. Et professeur d'abord, c'est à la maternelle, son bon qui fait rétrofilo, qui compte au bras là?
Et nous, l'importance, avec système, avec informatique, système informatique qui connaît là, nous avons une université côté des professeurs à Sorbonne, professeurs en France, au Canada, aux États-Unis, qui enseignent en Haïti. Nous n'avons pas besoin de façon pile l'argent, créer des institutions, des universitaires, et puis nous sommes capables de se créer côté pour tout le monde à faire, yeah. Et pour faire que ça s'applique. Parce que faut que là, yeah. Nous changeons le système. Non? Yeah. Parce que le système éducatif haïtien, que lui archaïque, lui médiocre, lui suppose transformer, réformer complètement, parce que ou pas dans un système de bougan de gagne. Et Haïti, baba, baba, nous pas capables pour ça, mon cher, faut que nous changeons le système. Pour okay. Que nous voyons notre pays, pour que jeunesse là capable de repenser, comprendre mieux que pour que le Kachita en groupe, discuter en groupe, c'est pas elle okay. En groupe. C'est ça. On est aux États-Unis, mathématiques, moi-même, c'est un homme qui dit fort, je ne vais pas même dans mathématiques. Mais ça n'est pas un mot senti maintenant. Comme vous sentiez, je fais mathématiques, comme vous sentiez, je fais géométrie, comme vous sentiez, pour mesurer Banchita, combien de longueur. De la jet, surface là, m'a fait problème. Là. Mais il faut qu'on entre, il faut qu'on a, nous, sans ce que change justement, nous mettons sans s'appliquer à ce qui s'appelait. Si nous n'avons fait en géométrie, il faut que le gars sorti maintenant. Et normalement, en dans l'école, la sortie, nous allons aller dans le champ, canne à sucre, comme on plante de canne à sucre, comme on plante de durée, comme on plante de poids. Si nous disons en ville, il faut que nous sortions pour y aller, non? La production nationale, pour aller à la pêche, pour qu'on commence à pêcher, on a un habitant, on a un pêcher. Et c'est mon pêcher qui parle bon poisson, qui parle bon homard, qui parle bon chouette, bon cribis pour manger, c'est nous-mêmes, nous miel. Ça veut dire que l'État, ça va nous changer pour que nous, on c'est ça. Nous couronner planteurs, quand on nous manger sur table, là, parce que sans planteurs, pas de monde qui a mangé, sans pêcher, pas de bon poisson, sans l'élevage, pas de monde qui a fait bon poule. C'est mes ça. Amis, c'est une chose que l'important pour nous révolutionnaliser, c'est réformer, ça. Reprogrammer la civilisation haïtienne. C'est ça. M'a retourné sur deux points qui est important pour moi. Parce que c'est important aussi pour le peuple haïtien. C'est vrai que de bon droit, gagner manifestation qu'a fait pour réclamer que monde qui volait l'argent font Petro-Caribé à monde ça au fort gombaga que la justice dit avec eux parce que c'est très bien de bon gré l'autre bagaille pour moi qui tout aussi important c'est que la douane jodi hein, l'état haïtien pas vrai pas gagné disposition légale encore côté que sous l'administration de Joseph Michel Martelly gagné un contrat passé avec des hommes du secteur privé des brasseurs, pour que quel que soit l'argent qui fait dans le c'est des milliards de dollars que la douane fait rentrer chaque année, des milliards de dollars. Qui j'en pensais que président Jovenel Moïse vient sous pouvoir, l'icône de la douane, c'est plus gros côté que l'État haïtien entre l'argent, et puis l'accepter, on dit le con, ça fait que l'État pas gagné, contrôle la douane encore. L'autre aspect, bon. M'envole pour agiter même, c'est que gagner des firmes international cap exploiter l'or hein, mille l'or gagne dans pays Haïti son pays qui a plein problème nous gagne problème dans question éducation nous gagne problème à tout niveau nous pas gagne courant dans pays alors que nous gagne l'or dans pays nous gagne l'or dans pays nous gagne pétrole c'est firme étrangère cap exploiter il y a pas exploiter pour Haïti non il y a pas exploiter pour prendre l'argent pour t'aller faire richesse dans pays et puis Haïti était à zéro. Comment expliquer le mutisme, le silence de chef d'État, M. Jovenel Moïse, et aussi nos parlementaires, la presse en général, par rapport à deux cas, ça y est, la douane, mon secteur privé a dirigé, l'agence est dans la poche UALE, des gangsters, avec mine d'or cap exploité par des firmes étrangères, pétrole qui est en Haïti, cap exploité par les étrangers. Comment expliquer silence, non, par rapport à ça? Bon, et c'est son question, je crois que tout auditeur, auditoire là, quand vous entendez, que je pense bien que Fonda fâché. Moi, si vous trouvez que nous avons un sens passif, parce que c'est tellement grave que je ne suis pas diaspora aller rétraper tout partout. Mais pour moi, pour avec question, hein, que je n'ai pas capable de faire, parce que c'est PHTK qui met des journaux, je n'ai pas de assez de corps pour le débat pouvoir, c'est que auprès des journaux, je place, parce que ça ne peut pas choisir la mode. Je vois la mode trop intelligente. Je choisis qu'on leader au cas manipulé.
C'est que normalement, tout ça fait là, que déjà signé, le point que compagnie américaine, avec Canadien, tu as supporté que PHTK, et côté que vous avez trouvé bien que l'INAEN qui créé dans le côté armé qui est rentré au Cap, côté que le président Lamotte, avec Michel, le président Michel Matéla, avec le premier ministre Lamotte, tu as la donnée, tu as su, c'est que comme si c'est bien privé, Haïti, et puis normalement, que pas grand-chose qui bon dans le dossier Haïti. Et dossier Haïti, c'est l'autre leader, c'est nous-mêmes qui ouais situation pour le camp. Et bon, je dis bien, cette bandit pour être problème, l'homme parle de bandit, bandit légal, bandit qui a une conception de bravoure, qui n'a pas gagné une paix. Moi, personnellement, pas gagné une paix. Nous sommes pour mourir anyway. Ouais, t'as couché, t'as couché dans ma pirate. Quand vous dites, dossier là, faut que nous suivions à parler. Mais pour toucher dossier ça, faut faire préparer. Ou pas qu'à paraître comme ça pour moi, il y a des dossiers, faut préparer. Faut qu'on ait qui conséquences ça va le gagner. Toute forme, faut préparer ou pour que on dit bon, ça, mes amis, ça n'a pas fait. L'opre que l'opre, qu'on parle de tout pour honnête, eh bien, que qui n'a pas qu'à paraître avec secteur privé qui a fait comme, eh bien, il n'a pas qu'à paraître comme ça. C'est que normalement, c'est groupe d'hommes qui a vu dans le pays, c'est côté que normalement, ça ça veut dire, en pile, monsieur, là, qui a un business en Haïti dans le secteur privé, monsieur, qui a 26 mois, qui a 20 ans, là, il y aura un très produit, ça, en Haïti. Il n'y aura pas qu'un impôt, non, qu'une taxe, non? C'est gratis, tu gérerais. Et il y aura un très droit, tout, j'ai une idée, il y aura un très âme dans le pays. L'État n'a pas qu'un contrôle. Ce sont vrais désordres. Et il y a un problème qui vient moi-même tout le temps. Critiquer le temps qu'on est dans ce débat-là, qui a fait 1,5 million de dollars ici, par mois, et payer a fait des millions de dollars par jour, parce que moi-même, j'ai 41 banques de bolet, et Haïti Capital Loto. Et côté que l'autre toute institution qui a fait comme en Haïti, alors point de GI. Là, et Gompat même qui est un grand banquier en Haïti, fait entrer, et Gé comme c'est caché dans le GI. Et là, que les gars veulent payer ton de Cobla, ils font deal avec le directeur là, et ils portent Cobla caché, puis monsieur prend valise là, Kali, pour que le caché parle avec vous. C'est toute institution dans le pays, pas gagné, tout pas gagné, je ne vais pas faire. Ou pas comment espérer policier par l'arrêté, parce que chef police, qui est-ce qu'il est-il? L'autre commissaire du gouvernement, ça fait que nous demandons, le nouvel État que nous avons parlé, a nous demandé que pour que le commissaire du gouvernement ait l'élection, pour que le président ne pas choisi. Nous demandons pour réformer la Cour de cassation, juge à la pension, et nous demandons pour tout juge à aller dans l'élection pour que le branche exécutive, la branche législative ne pas choisi. Et bien, là qu'on a pouvoir, on connaît que vous gagnez. De parution ou gagner reconnaissance envers le monde qui met dans le pouvoir. Là. C'est que faut que normalement, le commissaire du gouvernement dans l'élection, pour que ce n'est pas président, parce que là, c'est le président qui met au pouvoir. On ne peut pas arrêter le président, pas arrêter le membre du gouvernement président. Parce que son masque le fait, tout compte là, tout compte famille, tout bois, tout en dehors de ça, son chèque. Il y a le non-rivé. Alors, à propre facette qu'on a, pétrole qui gagne Haïti, mille logs en Haïti, c'est étranger, c'est américain qui a exploité, le canadien qui a exploité, l'Haïti pas joué dans rien du tout. L'État haïtien accepte ça, c'est l'État haïtien même qui va au pouvoir. Ça. Comment expliquer ça, silence Michel, population? Michel Martelly, au minimum, Michel Martelly, combien est mal? Exactement. 1,000 miles. Vagabond. 1,000 miles pour qu'on a exploité. C'est que. Dis-le de fait, préval pas tomber d'accord, Michel Martelly vient de signer deal là. Et il a pris une balle nous bien belle rive. Et Martelly fait mal. C'est un homme qui n'a pas de mine l'aura, qui par exemple, par exemple, parlementaire, par exemple, invité, parce qu'il faut comprendre bien, parlementaire dans le département, il n'y a pas de code. Il boit tout le monde boit. On pense que c'est ça qui passe, que je ne peux pas dire qui a campé. Il connaît que oui, ça dit, il y a qui est famille, qui est. Papa, petit, maman, tout ce qu'on va faire. Et déjà dit, nous, pas grand qu'à faire. Mais seulement, soulèvement important. Mais il faut que nous demandions l'autre d'Haïti. Et nous demandons pour que Haïti n'a pas qu'à prendre un nombre de temps parce que le peuple haïtien n'a pas qu'à continuer à vivre dans la misère. Ça, là. Et monsieur, là, il faut que l'idée élite politique, ça va y aller. Nous besoin l'autre l'État, nous besoin l'autre civilisation. C'est ça, ça, c'est là tout, là, dit, dernier aspect n'a pas abordé, la religion. On constate le même avec dans monde là côté que monde non te connaît qui te connaît pas longtemps yo monde ça yo c'est pas gain monde ça presque encore c'est quelques grains de bon pasteur gain qu'on a n'importe nèg depuis le gon micro dans mais les campé non assemblée son pasteur gain qui dit c'est prophète tu contrairement à pasteur moi te connaît longtemps je dis à tout pasteur prophète qui a fait miracle
Et ce n'est pas, c'est pas n'importe, même si vous parlez de miracle, non. C'est des monde programmé et puis Dieu dit, fait miracle. Comme monsieur Kelly Mackinson, je dis. Monsieur l'entendez, monsieur qui a parlé, ce monsieur n'a rien à voir avec monde qui pasteur, mais prophète. Parce que moi, c'est que pour pasteur, prophète, il faut à l'école pour apprendre théologie, pour comprendre la Bible, qui sont livres qui sont très compliqués. Faut pas s'en pile misère à l'école. Pour faire devoir. L'entendez, monsieur, ça, moi, à ce niveau, monsieur, pas qu'un sacrifice que le consentit. S'il fait un bon certificat. Pendant ce temps, monsieur, qui ont rassemblé devant, il disait, prophète, que lui, il a fait miracle. Il y en a un gars, monsieur, dit, qui étonnait mon pile, qui mettait à genoux pour paysage, et me gardait moins.